Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire ensemble la petite feuille qui va accompagner notre pensée. Donc pour la faire, je vais utiliser du fil de coton. Je vous mets ma petite étiquette, hein. Voilà, au cas où si vous voulez utiliser le même style de fil que moi. Maintenant pour le fil, utilisez celui que vous avez envie, hein. Évitez tout de même des fils trop fins. Ou au contraire, des fils beaucoup trop épais. Ça va juste vous modifier légèrement le modèle. Alors pour les couleurs, bien c'est pour la feuille, je vais utiliser du vert. Je vais également utiliser du fil de fer. Donc c'est du fil de fer galvanisé de 0,9 mm que l'on trouve en bobine au rayon bricolage des supermarchés. Je vais également utiliser une pince coupante pour le plier et le couper, une paire de ciseaux, une aiguille pour camoufler mes fils, et pour crocheter, je vais utiliser mon crochet de 1,5 mm. Donc pour le crochet, c'est comme pour le fil, utilisez celui que vous utilisez d'habitude, hein, ou celui qui est adapté à votre fil. Donc, eh bien, on est parti pour notre feuille. Pour commencer, on va venir faire 16 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Maintenant, on va prendre un fil de fer. Donc pour votre fil de fer, au début vous faites un tour grossier de vos mailles comme ceci. Et après vous aplatissez votre fil de fer. Donc maintenant on va crocheter pour commencer de ce côté-là. Hop, donc je vais venir faire une petite maille en l'air pour accrocher mon fil de fer. Donc là on a notre première maille, hein. On passe directement dans la deuxième et on va venir faire une maille serrée. Ensuite, on va faire une demi-brique. On passe à côté, on fait une bride. Et maintenant, on va passer en double bride et on va venir faire 3 doubles brides dans la même maille. Une. Et la troisième. On passe en bride, on fait une bride. Maintenant, à côté, on fait une demi-bride. Et dans la suivante, on fait une maille serrée. Là, je vais redécaler légèrement mon fil. Maintenant, on va repasser en demi-bride et on va venir faire une demi-bride. On passe en bride et cette fois, on va faire 3 brides dans la même maille. Une. Deux.
étroit. On passe en demi-bride, on passe à côté et on fait une demi-bride. Hop, j'avance un petit peu mon fil. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Ensuite, on va refaire notre petite bosse ici, là. Donc, on va refaire une demi-bride. Ensuite, on passe à côté, on fait 3 brides dans la même maille. Une. Deux. Et la troisième. On décale un peu. Là, on fait une demi-bride. Maintenant, je vais remonter mon fil de fer tout en haut parce qu'il me reste une maille. Et dans notre dernière maille, on va venir. Alors, hop, déjà, je vais le passer là. Et ensuite, je le passe au niveau de mon fil de fer. Donc ici, on va faire une maille serrée. Ensuite, on retourne dans notre dernière maille, on fait une demi-bride. J'essaye d'attraper mon petit fil pour le camoufler, hein. Maintenant, on repique et on refait une bride. Là, je vais faire deux mailles en l'air. Je vais retourner dans ma première maille en l'air et je vais faire une maille coulée. Je retourne dans ma maille. Je refais une bride. Une demi-bride. Et une maille serrée. Ce petit fil là, je vais le couper tout de suite, comme ça il me gênera plus. Je vais replacer eh bien mon crochet correctement et on va venir faire notre chemin en sens inverse. Donc maintenant, on repasse à côté, on est en demi-bride et je fais une demi-bride. Ensuite, on va faire 3 brides dans la même maille. Une, deux Là, je vais resserrer un petit peu mon fil de fer hein, pour éviter que ça fasse trop tirer sur mes mailles. On refait une demi-bride. Une maille serrée. On passe à côté, une demi-bride. 3 brides dans la même maille, une, deux, trois,
une demi-bride, une maille serrée. Là, c'est pareil, je vais resserrer un petit peu mon fil de. Maintenant, on repasse en demi-bride. Ensuite, on fait une bride. On passe en double bride et là, on fait 3 doubles brides dans la même maille. Une. Deux. Trois. On passe à côté, on fait une bride. Une demi-bride. Et dans notre dernière maille, on fait une maille serrée. Maintenant, je vais passer mon fil devant mon fil de fer et je vais venir faire ma maille coulée. Je tire sur mon fil, je passe autour de mon fil de fer et là je resserre. Donc maintenant, hop, ça nous fait une petite feuille. Vous voyez ici, mon fil de fer s'est un peu écarté, donc je vais venir le resserrer. Alors, je resserre mon fil de fer, mais je fais attention à ne pas couper mon fil, hein. Bien évidemment. Et maintenant, on va venir rouler notre tige. Donc, on fait attention à ne pas aplatir. Voilà. Je roule. Et là, je vais venir faire un petit nœud coulant. Tac. Et je coupe mon fil. Donc maintenant, eh bien, on va prendre notre fleur qu'on avait fait la dernière fois et on va reprendre du fil vert. Vous voyez, je vais venir plier comme ceci et à la base ici, je vais venir incorporer mon fil pour lier ma fleur. Et ma feuille. Alors, j'en avais fait d'autres auparavant, donc je vais venir les lier avec. Hop. Et je vais redescendre le long de ma tige. Donc là, vous voyez, ça me fait pas mal de fil de fer. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir en couper quelques-uns. Et je vais en laisser un petit peu plus long. Et maintenant, je resserre. Alors, évitez qu'ils fassent tous la même taille. Hein, il vaut mieux qu'ils aient tous une petite taille différente. Comme ça, quand vous enroulez votre fil, eh bien, ça se verra moins. Donc là, je vais descendre eh bien, jusqu'en bas de ma tige. Je vous laisse faire pareil. Voilà, quand vous êtes arrivé tout en haut, eh bien, on va redescendre un peu. Ou quand vous êtes arrivé tout en bas, hein, n'importe. Je vais remonter encore un petit peu ici. Et là, je vais prendre ma petite pointe que je vais venir replier. Alors, faites attention de ne pas couper votre fil au passage.
Et maintenant, je vais remonter encore. Alors, je vais bien le placer. Hein. Hop. Et je roule. Là, c'est pour éviter que ça pique. Si vous voulez le planter dans un pot, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Hein. Donc maintenant, je vais faire des nœuds coulants. Donc, je vais en faire deux. Je vais couper mon fil et je vais venir passer mon petit fil ici dans une aiguille. Quand c'est fait, eh bien on va venir piquer un petit coup dans la masse pour venir coincer celui-ci. Ensuite, eh bien, je vais aller piquer hop là et je vais refaire petit picot par là. Hop. Et voilà, votre fil est coincé, ça bougera plus, vous pouvez le couper. Maintenant, je vais venir placer le tout. Donc, j'ai ma feuille, la petite fleur qu'on vient de faire, et ça, c'était les trois fleurs que j'avais fait auparavant. Alors, des fois, elles n'ont pas la même forme parce que c'est quand je teste mes fleurs. Hein. Mais ça rajoute des petites fleurs pour le modèle. Voilà. Donc voilà pour la feuille de pensée au crochet. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner pour ne pas louper mes prochains tutos. Je vous mets en description le lien vers la première partie. Et je vous mets également le lien vers le Facebook et le Twitter de la chaîne. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.